vu la décision numéro SO CM CAMES 2022-004 du 27 mai 2022 du Conseil des ministres du CAMES tenu à Kinshasa en République démocratique du Congo du 23 au 27 mai 2022 sous la présidence de M. Muhindo Nzangi Bitondo, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire de la République du Congo, vous nommant au poste de secrétaire général du CAMES. Et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe dans vos fonctions de secrétaire général du CAMES à partir de cet instant. Recevez donc tous les attributs de votre fonction. Toutes mes félicitations et mes encouragements. J'aimerais d'abord remercier les plus hautes autorités du Burkina Faso, avec à leur tête le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, pour leur soutien constant à notre organisation commune, le CAMES. Mesdames et messieurs, en ce jour mémorable, je voudrais vous remercier pour votre présence à cette cérémonie d'installation de la nouvelle équipe dirigeante du secrétariat général du CAMES. C'est le lieu pour moi de rendre hommage à la vision d'indépendance et d'intégration des pères fondateurs de notre institution commune qui ont posé les fonds baptismaux de cette organisation unique et résiliente en 1968. Ainsi, le CAMES est aujourd'hui l'une des rares institutions d'intégration africaine fonctionnelle depuis la période des indépendances et l'un des plus grands espaces de mobilité académique dans le monde. Je voudrais ici rendre hommage à la mémoire de ces grands hommes qui ont dirigé le CAMES et dont certains, malheureusement, ne sont plus avec nous. Je pense en particulier à feu le professeur Bertrand Bachy, sixième secrétaire général du CAMES et initiateur des plans stratégiques de développement du CAMES. Le CAMES est un édifice en perpétuelle construction, auquel chaque bâtisseur apporte sa contribution. Au-delà du conseil aux États membres, notre ambition pour le CAMES et d'en faire une institution de référence au niveau international, tant dans l'évaluation académique et scientifique que pour sa contribution à la société.